Pour moi, c'est très très étrange que ce tigre ait pu sortir de sa cage comme ça. Euh, je pense plutôt à un acte de sabotage ou à une malveillance, quelle qu'elle soit, au niveau d'un symptôme d'ouverture d'une trappe pour que l'animal ait pu s'échapper, parce qu'il n'a pas pu s'enfuir tout seul. Euh, ce qui est quand même étrange, c'est que euh, sa femme Alexandra m'a dit qu'ils avaient retrouvé un morceau de chaîne qui était coupé euh, au sol. Donc ça veut dire que quelqu'un a volontairement coupé la chaîne qui tenait cette trappe euh, par où il est sorti. Euh, c'est quand même très très bizarre et surtout actuellement et dans cette période euh, que connaît le cirque traditionnel et avec les animaux où vous avez toutes ces associations qui sont contre la présentation d'animaux sauvages dans les cirques et où je sais qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi je me pose beaucoup de questions je pense que c'est plus un sabotage qu'autre chose à mon avis c'est ça ce qui s'est passé alors vous justement on vous voit hein, vous avez l'air serein à côté euh, de ce lion mais qu'est-ce que vous répondez à, à vos détracteurs qui affirment que mais les oui cirques mais je suis, avec... je suis je suis je, suis aussi, je suis aussi je suis aussi serein que eric avec ses tigres. Vous savez que ça doit être lui qui est le plus malheureux euh, d'avoir pris euh, euh, la décision d'être de, 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 obligé d'abattre ce tigre qu'il a connu depuis tout petit, qu'il a élevé parce qu'il les aime largement autant que moi et ça a dû être pour lui une très très difficile décision d'être obligé de l'abattre, surtout pour protéger le public pour, pour protéger les gens, parce qu'il s'était échappé et puis parce qu'il n'a pas, pas senti d'autres solutions possibles de faire autre chose, ce qui est hélas bien, bien triste pour le tigre qui, qui lui n'avait pas choisi... Euh, cette triste fin.